L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Abdallah Banda Abakaer et Salah Mohamed Djerbo Jamous devant la Cour pénale internationale s'est tenue le mercredi 8 décembre 2010 à La Haye, au siège de la Cour. La chambre préliminaire chargée de l'affaire est composée des juges Sylvia Steiner, Sanji Masenono Monageng et Kuno Tarfusser, juge président. Abdallah Banda et Salah Djerbo doivent répondre de trois chefs de crimes de guerre qui auraient été commis dans le cadre d'une attaque lancée le 29 septembre 2007 contre la mission de l'Union africaine au Soudan, une mission de maintien de la paix, stationnée à la base militaire de Haskanita, au Darfour Nord. Le procureur allègue que les assaillants ont tué 12 soldats et en ont grièvement blessé 8 autres, détruit des installations de communication et autres équipements, et qu'ils se sont emparés de biens appartenant à la mission. L'audience de confirmation des charges s'est tenue en l'absence des suspects qui ont renoncé à leur droit d'y être présents, comme leur autorise l'article 61 du Statut de Rome, le traité fondateur de la CPI. Conformément au règlement de procédure et de preuve, le greffier d'audience a lu les charges à l'encontre de messieurs Banda et Djerbo. Le 29 septembre 2007, à la base militaire d'Haskanita, dans le village d'Haskanita, dans la localité d'Oum Kadada, au Darfour Nord, au Soudan, dans le contexte d'un conflit armé interne, messieurs Banda et Djerbo, ainsi que des forces dissidentes du Mouvement pour la justice et l'égalité et l'Armée de libération du Soudan Unité, Abdoul Chafier, sous leur commandement et leur contrôle, conformément à un plan commun et à des ordres donnés par eux, ont mené, conjointement avec leurs troupes, une attaque contre la base militaire de Haskanita et tué 12 soldats de maintien de la paix de la MUAS et tenté d'en tuer 8 autres. En ayant connaissance du fait que ceux-ci étaient employés dans le cadre d'une mission de maintien de la paix mise en place conformément à la Charte des Nations Unies, et 2. Sachant qu'ils ne participaient pas directement aux hostilités et qu'à ce titre, ils avaient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils, commettant de ce fait un crime de guerre au sens des articles 8.2.C.1 et 25.3.A et 25.3.F du statut de Rome. Maître Essa Fall, premier substitut du procureur, s'est adressé à la Chambre au nom de l'accusation. Le lendemain matin, le 29 septembre 2007, ces forces de Dalil Babiker ont été attaquées par des troupes soudanaises et ont subi d'importantes pertes à la fois en personnes et en équipement. Dans les heures qui suivirent l'attaque, les commandants de ces forces rebelles, y compris Banda et Djerbo, ont tenu une réunion à Dalil Babiker, à l'occasion de laquelle ils sont convenus d'attaquer les forces de la MUAS stationnées à Haskanita. Quelques heures après, ces deux commandants, Banda et Djerbo, ont mené leurs forces respectives et ont entrepris se sont livrés à une attaque violente contre la base de la MUAS à Haskanita, tuant 10 soldats de la paix et blessant un certain nombre d'autres. Ils ont également détruit le camp, pillé et volé un certain nombre de véhicules de la MUAS, du carburant, de l'argent et des objets personnels. Monsieur le Président, c'est la raison de leur participation, leur participation à cette attaque et leur rôle dans cette attaque fait l'objet et est la raison pour laquelle Banda et Djerbo font l'objet des charges présentées par l'accusation. Monsieur le Président, Mesdames les juges, Banda et Djerbo sont les dirigeants opérationnels et militaires sans conteste de leurs groupes rebelles respectifs. Il est clair que ces groupes étaient organisés et disciplinés, si bien que les groupes ne pouvaient pas et n'auraient pas pu mener une attaque sans l'autorisation ou la connaissance de leurs dirigeants, à savoir Banda et Djerbo. Monsieur le Président, Mesdames les juges, les suspects ont également fait des déclarations qui ont montré ou qui montrent qu'ils ont bel et bien participé à l'attaque. Et ces déclarations sont très importantes et méritent d'être prises en compte. Monsieur le Président, Mesdames les juges, je vais simplement évoquer quelques-unes de ces déclarations. J'ai fait
référence à de nombreuses déclarations attribuées à ses commandants qui, de manière explicite, montrent que les deux groupes allaient attaquer la base militaire d'Ascanita. En outre, nous souhaitons attirer votre attention à une déclaration faite par Banda à Jebel Adola, où certaines des forces rebelles ont essayé de s'enfuir. Et Banda a dit à cette occasion, « Vous ne pouvez pas prendre de véhicule pour lequel mes hommes ont perdu la vie, ont donné leur vie. » Ces déclarations montrent de façon claire que Banda et Djerbo avaient participé à l'attaque eux-mêmes. Monsieur le Président, Mesdames les Juges, les éléments de preuve à charge sont clairs. Ils montrent que Banda et Djerbo avaient planifié l'attaque contre la base militaire. Ils ont ordonné à leurs troupes de mener cette attaque et ils ont également personnellement dirigé et participé en personne à cette attaque. À ce titre, nulle autre conclusion n'est possible, si ce n'est de les tenir responsables pour les crimes qui leur sont reprochés et de les renvoyer aux fins d'être jugés. Outre les éléments de preuve directs de leur participation directe à l'attaque, les facteurs évoqués montrent clairement qu'ils ont participé. Ajoutons à cela les déclarations personnelles qu'ils ont faites et les avantages dont ils ont pu profiter à la suite de l'attaque. Pour toutes ces raisons, et à la lumière également du fait que la défense a concédé que le seuil de preuve a été satisfait, nous demandons à la Chambre respectueusement de confirmer les charges en la présente affaire et de renvoyer Banda et Djerbo afin d'être jugés. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. Quatre représentants légaux de victimes, Maître Akin Akimbote, Maître Brahima Kone, Maître Jeffrey Nice et Maître Hélène Sissé, se sont à leur tour exprimés au nom des 89 victimes reconnues par la Cour dans cette affaire. And so I invite... Afin que la justice puisse être rendue dans cette affaire, car nos clients l'attendent. Ainsi, j'invite la Chambre à statuer sur les chambres qui lui ont été soumises. Je voudrais au préalable rappeler l'intérêt que nous portons à cette cour et l'espoir que les victimes fondent sur elle. Cette audience constitue une étape déterminante dans leur quête de justice. There is nothing in the statements of the two witnesses. Il n'y a rien dans les déclarations des deux témoins que nous représentons qui irait à l'encontre des charges, à supposer qu'elles soient confirmées. Nous attendons votre décision sur ce point afin que nos deux clients puissent participer et bénéficier de cette procédure. Conformément donc aux stipulations contenues dans les décisions de la Chambre préliminaire concernant la participation des victimes à cette présente audience de confirmation des charges et concernant l'étendue des modalités de leur participation que la Chambre préliminaire a bien voulu affirmer et préciser, je vais donc essayer d'exprimer des préoccupations et vues des victimes du Sénégal, de la Gambie, du Botswana et du Nigeria, pour lesquelles la Chambre vient de me désigner avec mon confrère Maître Kone. Je souhaiterais, je m'en excuse pour la longueur, donner les références des victimes du Nigeria, pour lesquelles nous venons, Maître Kone et moi-même, d'être désignés, parce que je pense qu'il est important pour ces victimes qu'elles puissent se reconnaître et qu'elles puissent savoir qu'elles ont été représentées, malgré l'absence du colonel Adaka.
Ceci est important. Les victimes que je représente sont convaincues et souhaitent qu'une décision rapide puisse intervenir à la suite de cette audience de confirmation des charges pour qu'on puisse enfin leur rendre justice et qu'elles puissent comprendre que les souffrances qu'elles ont endurées et que la mort de leurs êtres, des êtres qui leur sont chers n'ont pas été inutiles. Je vous remercie. Messieurs Banda et Djerbo sont représentés par une équipe de défense menée par Maître Karim Khan, Conseil de la Défense. Dès le départ, je me joins au nom de M. Banda et de M. Djerbo aux commentaires qui viennent d'être faits et à ce qui vient d'être dit par ma collègue Madame Cissé, Maître Cissé. Nous allons donc demander à la Chambre préliminaire de prendre une décision rapide sur cette question, sitôt que vous aurez eu la possibilité d'examiner les faits et de prendre une décision, donc. Cela, malgré le fait que le règlement nécessite que la décision soit rendue dans un délai maximum de 60 jours. Confirmation des charges. Il s'agit de savoir si, conformément à l'article 61.7, l'accusation a effectivement établi des faits matériels pour permettre, pour dire que les chefs d'accusation sont satisfaits. Maintenant, Monsieur le Président, Mesdames les juges, les motivations et les opinions de la défense sont détaillé dans le cadre de la requête conjointe au paragraphe 8. Nous insistons sur le fait que la défense et l'accusation n'ont jamais cherché à éviter d'assumer les décisions. Cette requête n'est pas présentée pour manquer de respect à la Chambre ou parce qu'elle ne comprendrait pas l'intérêt, le rôle important que joue la Chambre. En fait, cette requête conjointe est née du désir de notre part d'avoir un procès qui soit aussi économique que possible. Et nous comprenons bien, du point de vue de la défense, que l'accusation doit baser sa thèse sur un résumé des documents écrits ou des éléments de preuve qui ont été soumis par écrit. Elle n'est pas obligée donc d'appeler des témoins en personne dans le prétoire. Cela étant, la défense a proposé, et cela a été dit le 19 octobre, c'est donc quelque chose que la Chambre a déjà vu. Donc cet accord porte sur les éléments matériels qui sont mentionnés dans le document des charges. Ce n'est pas pour dire que la défense ne dit pas que la théorie de l'accusation est correcte. En fait, c'est tout le contraire, parce que la défense estime qu'il y a beaucoup d'erreurs et de fausses représentations dans la théorie de l'accusation, mais Monsieur le Président, Mesdames les juges, cela n'est pas déterminant au stade de la confirmation des charges. Donc si vous en décidez ainsi, conformément à la requête conjointe et en tenant compte des éléments qui ont été présentés par l'accusation, cette affaire peut être renvoyée devant une chambre pour procès. Ce sont des choses qui seront examinées le moment venu et qui seront décidées donc par la chambre de première instance de la Cour. Dans un délai de 60 jours après les dernières observations des parties et des participants, la Chambre préliminaire 1 déterminera s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Messieurs Banda et Djerbo ont commis chacun des crimes qui leur sont imputés. Si les charges sont confirmées, l'affaire déboucherait sur un procès devant une chambre de première instance composée d'autres juges.